Salut à toutes et à tous, Maurice peut-il remporter le tableau des médailles pour la première fois de l'histoire des Jeux des Îles? L'espoir est permis pour la première fois en 10 éditions. Nos sportifs sont survoltés et profitent au maximum du fait d'évoluer à domicile avec de grosses perfs en athlétisme et une domination moins évidente des Réunionnais en natation. Aujourd'hui encore, le quadricolore a flotté haut dans le ciel et une pluie de médailles est tombée dans notre escarcelle. On débute ce journal avec Jessica Rosen qui a été exacte au rendez-vous. Médaillée d'or au javelot avec un jet à 52,36 m, la capitaine de Maurice a été impériale. Retour sur cette performance de choix en images à l'occasion d'une caméra isolée que vous retrouverez en exclusivité sur l'Express.fr. On écoute à présent sa réaction à chaud. Comment te sens-tu, toi? Super content, parce que bah, c'est une médaille d'or de plus pour l'équipe de Maurice. Et en tant que capitaine, justement, je devais montrer l'exemple. Et je suis super content. En plus, il y a eu un super public présent aujourd'hui. Merci beaucoup. Sans vous, c'est vrai qu'il y a du travail derrière, des années de travail, et toutes les personnes qui ont été là. Mais aujourd'hui, on avait vraiment besoin du public. J'ai fait un appel et le public était vraiment présent aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Troisième médaille d'eau, là ? Deuxième. Deuxième consécutif. Voilà, 2015 et... Et avant ? Avant, j'étais médaillée de bronze en 2011. Bronze 2011. Tout à fait. Mais même si la perf n'a pas suivi, mais... Oui, la perf n'a pas suivi, mais faut savoir aussi que j'ai fait ça lancer à plus de 50 mètres. Donc régulière à plus de 50 mètres. Donc là, on attend les jeux, je pense... Cette année-ci que tu as fait plus de... Oui. Avant les Jeux, là, tu as fait Saint-Lancé ou pendant? Non, là, maintenant, aujourd'hui. D'accord. Le prochain objectif, c'est quoi? Le prochain objectif, Jeux d'Afrique. Au Maroc. D'accord. J'espère. Ok. Hip 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 hurra pour Nicolas Li Yongfang, invaincu au lancer du marteau depuis 1997 et qui remporte une cinquième médaille d'or en 5 Jeux des Îles. Il a réalisé un jet de 60,72 m et la deuxième place revient à notre compatriote Jean Lannes Carré. On regarde.
L'émotion était forte également lorsque Prisca Manikyon a remporté le 5000 mètres. Manikyon, donc... Oh non ! Manikyon Prisca Mauritius ! Bravo ! Bien joué de la part de Prisca Manikyon qui apporte une médaille d'or, une nouvelle médaille d'or donc dans l'escarcelle du club Maurice. On est arrivé à pratiquement donc 15 médailles d'or en deux journées. Moi, je fais la course par rapport à mes collègues aussi. Moi, j'ai commencé avec le premier kilomètre. Et puis après le premier kilomètre, je connais mon cavale plus que ça. Je connais ce qui me vaut, donc on est allé. Voilà. Je venais avec une confiance parce que j'ai plus de héros, je vous ai gagné. Moi, je connais que la Rionnaise, il y a plus fort. Mais voilà, on fait ma promesse. Et tout le public qui donne le courage pour vraiment aller de l'avant avec ça. Donc c'était évident une médaille d'or pour ces 5000 mètres. Pour moi, il n'y avait pas échappé de là parce que je fais 16 heures de temps de vol. Peut-être pas possible qu'il me gagne une médaille d'or. J'en ai une médaille de bronze. Mais tu connais déjà qu'il n'y a pas beaucoup de participants de la Manche. Mais au fin de dire, moi, j'ai vu la médaille d'or. Donc voilà, la médaille d'or est là. En cyclisme, Maurice décroche deux médailles mais rate l'or. Christopher Lagan prend l'argent et Yannick Lacolle le bronze. Zoom sur le champion de Maurice, Christopher Lagan. J'ai décroché là. Je savais que j'étais capable de faire une performance. Et au final, c'est l'argent aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, j'ai tout donné. Le vent était assez spécial et ça soufflait vraiment fort. Et c'était assez difficile de rester en position. Et par moment, il y avait des grosses rafales. Et au final, comme on tentait de la médaille d'argent, Yannick aussi n'a vraiment pas démérité. Il est troisième et ça se joue vraiment à quelques secondes. Malheureusement, c'est la Réunion qui gagne aujourd'hui. Il faudra se reconcentrer maintenant et essayer d'aller décrocher la médaille d'or samedi. Samedi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour samedi? Samedi, on a une très bonne équipe. On est nous cinq, on peut prétendre la victoire. Et ça va être notre force, le collectif. Et on va essayer de les faire mal samedi. Pour la dernière journée de natation, Bradley Vincent, notre Michael Phelps, mauricien, décroche une quatrième médaille d'or en s'imposant aux 200 mètres d'eau avec un nouveau record sur la distance au JOI à la clé. Tandis que Inès Gébert, 14 ans, a créé la sensation en s'imposant aux 200 mètres papillon, tout comme Alicia Cochon qui fait encore parler d'elle en enlevant le 200 mètres bras.
En tennis de table, un petit phénomène de 11 ans nous a subjugués. Il s'agit de Dima Ali, une étoile venue des Maldives qui n'a pas peur de mettre une dérouillée à beaucoup plus grand qu'elle. Nous avons voulu en savoir plus sur cette championne de la précocité. I live in Sri Lanka, but I am from Maldives, and I started playing table tennis when I was 6 years old. I train every day, and I earlier when I was small, for 1 year, I only played for 1 day, but the second day I started playing 2 days, half of the year, and then the next half I started playing 6 days a week, and since then I play 6 days a week, but in school holidays I play every day 2 times. Il n'y a pas que les belles performances aux Jeux des îles de l'océan Indien, il y a aussi des petits malins qui s'en mettent plein les poches en produits dérivés. On regarde un extrait d'un reportage disponible sur l'express.me. Me senti moins bien fier, elle marie l'émotion, une vibration parmi tout le monde. Beaucoup riant, oui. Il y a des gens, des pour lui, Bakwa, Kepi, Maibou, un peu partout, entier les Maurice. Beaucoup riant, il a ses pavillons, trompette. Allez Maurice! Allez Maurice! Allez la Réunion, la Réunion l'enfance! Allez la Réunion, 974 présents! Allez Maurice! Il est l'heure de retrouver le tableau des médailles que vous attendez tous avec impatience. Maurice continue d'engranger des breloques d'or, d'argent et de bronze à n'en plus finir. Croisons les doigts pour une victoire finale dans ses 10e JOI. Voilà pour ce best-of du journal des Jeux. L'actu des Jeux des îles 2019 continue sur l'express.mu et nos réseaux sociaux. Allez l'équipe Maurice !